démocratique du Congo de connaître une croissance exemplaire. Et dans ce domaine, il y a l'agriculture. Vous savez qu'à l'époque du Zaïre, on avait qualifié notre province ici, à l'époque c'était le Grand Kivu, de grenier de la République du Zaïre. Aujourd'hui, le grenier de la République du Zaïre n'est plus devenu que grenier de nom. Et nous n'acceptons pas cette situation. Le Kivu a les terres les plus riches de la République. Grâce au Kivu, toute notre République démocratique du Congo peut être nourrie et nourrie de fort belle manière. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il est générateur d'emplois et de richesses. Nous avons également un défi, celui de l'eau et de l'électricité. Nous savons combien l'accès à l'eau et à l'électricité est devenu totalement difficile, un vrai chemin de la croix. Mais depuis que nous sommes là, nous avons fourni beaucoup d'efforts dans ce domaine. Il y a récemment d'ailleurs un contrat qui vient d'être signé pour la construction du barrage de la Ruzizi phase 3, donc ce qui fait que il y aura beaucoup de gens qui seront connectés à l'électricité. Mais dans d'autres provinces aussi, nous déployons les mêmes efforts pour que d'ici la fin de notre mandat, nous atteignions plus de 30% de la population à ce niveau de fourniture d'eau et d'électricité. Nous ne ménagerons donc aucun effort pour que, comme je vous le disais, au cœur de mon programme, le Congolais soit épanoui. Et ce n'est que lorsque le Congolais est épanoui qu'il a recouvré sa dignité et sa fierté, parce qu'il peut envoyer ses enfants à l'école, il peut les éduquer, parce qu'il peut soigner ses enfants lorsque ceux-ci viennent à tomber malades, parce qu'il a lui-même un emploi digne de ce nom, ce n'est que à cette condition-là que nous pouvons nous réjouir du travail accompli. Voilà en quelques lignes ce que je voulais brosser au peuple de Bukavu, à qui nous avions promis il y a quelques mois que lors de notre accès au pouvoir, nous allons tout mettre en œuvre pour leur bien-être, pour leur paix, leur sécurité, pour leurs emplois, pour leur éducation et pour leur santé. Je vous remercie. Je vais revenir encore ici à Bukavu pour constater les avancements de ce que j'ai promis, et je suis convaincu qu'avant la fin de mon mandat, les objectifs que je vous ai présentés seront atteints. Avant de conclure, permettez-moi de donner la parole à votre sœur, à votre maman, mon épouse, maman Denise Nyakeru, qui va vous saluer en swahili, bien sûr. Et je vous dis merci beaucoup. Mungu akubariki. Asante sana. Nafurahi sana isi mnatupokea mzuri tena. Nilibambia nitakuwa nakuja hapa kila miezi tano. Mie wote mnarudia na bofu wenu.
Allô, watoto wa Bukavu, tupigie tena mikono kwa mkubwa wa nchi na mama wa nchi. Sisi huko wanaenda kwenye watapumzika. Asante. Préparez-vous.